Je l'ai connu de près. Evangelis s'exprime sur l'affaire Sébastien Coe. Mardi 9 juillet 2024, Evangelis était invité sur le plateau de l'émission La Piscine de Jordan Deluxe, sur C8. L'occasion pour la chanteuse de s'exprimer sur l'affaire Sébastien Coe. La chanteuse a donné son avis. Il y a quelques mois, Coe, célèbre animateur de NRJ, était visé par 5 plaintes pour viol et agression sexuelle. Alors qu'il est écarté de l'antenne depuis novembre 2023, Evangelis, qui a fait pas mal d'émissions avec lui, a accepté de prendre la parole. Mardi 9 juillet 2024, sur le plateau de la piscine de Jordan Deluxe, sur C8, la chanteuse a déploré. Il y a beaucoup de on-dit et malheureusement avec ce genre d'affaires, on ne devrait pas faire des on-dit. On devrait vraiment parler des choses que si c'est 100% sûr, 100% vérifié, 100% jugé. Est-ce que ça a été jugé entièrement? J'ai pas suivi, j'avoue, mais j'ai l'impression que les médias parlent beaucoup d'affaires de ce style en ce moment sans être sûr de l'issue du procès. Evangelis, admirable, très gentil, comme un enfant. Estimant que s'il était jugé innocent, la carrière de l'animateur serait foutue, Evangelis a précisé. Je ne dis pas qu'il est innocent ou coupable. Je dis juste que je l'ai connu de près et il n'a jamais eu de geste déplacé envers moi. Jamais, jamais. Avant d'ajouter. C'est un homme que j'ai toujours trouvé admirable, très gentil. Comme un enfant. Assurant n'avoir jamais été embêté depuis ses débuts à la télévision, Evangelis a précisé. J'avoue que les gens, comme Coe d'ailleurs, ont toujours été un peu joueurs, taquins. Mais on sent que c'est de l'amusement. Lundi 13 mai 2024, c'est Kinvey qui avait évoqué cette affaire dans En toute intimité, sur YouTube. Ça me bute, parce que même si mon cacao est innocenté et je pense qu'Will sera innocenté, son nom il est taché. Avait-il déploré. Kinvey. Il a toujours été extrêmement bienveillant. Agacé par l'ampleur qu'a prise cette affaire, le chanteur avait assuré. C'est quelqu'un que j'ai aimé beaucoup, Coe. Il m'a sauvé la vie 1 milliard de fois. Pour ma carrière, il m'a donné tellement de conseils. C'est quelqu'un de, humainement, extrêmement bienveillant. Vraiment. Pour conclure, Kinvey avait ajouté. Moi, je le connais personnellement. On peut ne pas l'aimer, mais avec moi, il a toujours été extrêmement bienveillant. Je ne connais pas, évidemment, toute sa vie privée pour pouvoir en parler. Je l'aime tellement. Ça me ferait du mal de devoir avoir une mauvaise image de lui, moi qui le peins comme mon petit héros qui m'a beaucoup aidé dans ma carrière. Mais si tout ça est faux, c'est tellement horrible.